Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la campagne des conquérants d'Age of Empires 2 HD. Et aujourd'hui nous attaquons à la dernière mission de la campagne d'Attila le Hun qui s'intitule La Chute de Rome. À Rome, Honoria attendait toujours Attila. L'année suivante, après avoir reconstitué ses troupes, le chef des Huns s'est tourné vers l'Italie. Il a franchi les Alpes et s'est dirigé vers la péninsule italienne, terrorisant sur son passage les habitants de l'Empire romain d'Occident. Attila avait l'intention de s'emparer de Rome et de se faire proclamer empereur. Ce n'était pas la Rome de César, mais une Rome sur le déclin, minée par les tremblements de terre et les guerres barbares. Et cette fois-ci, le général Aetius n'était plus là pour repousser la barbarie des Huns. Donc, battez Milan, Padoue, Vérone et Aquilée pour parenter avec Rome. Padoue, Vérone, Aquilée, Milan. Voilà. N'attaquez pas Rome, ne reprendre pas de menace si vous avez besoin de quelqu'un qui puisse capituler devant vous. La technologie des Huns, tentez, c'est très utile si votre ami tente une victoire avec relique ou merveille. N'envoyez pas toute votre troupe offensive, se manquer de ressources pour défendre votre ville. Logique. Lorsque vous lancez une offensive, serez-vous disponible de nombreuses unités entièrement converties, car vos ennemis s'allieront pour vous arrêter. Oui et non, vous voulez dire, moi j'ai jamais trop utilisé ça. D'ailleurs, je crois qu'Attila doit survivre. Oui, bah, il y a Attila. Donc, commence avec d'abondantes ressources, serait contre-fort des Alpes. Dessous, situe les villes bien protégées de l'Italie du Nord. Ressources bien moins importantes que les champs cataloniques, mais pas mal pour débuter, on va pas sentir tout ce qu'on a à l'âge impérial. Milan abrite une armée agressive qui pourrait bien venir jusqu'à vous si vous tardez à lancer offensive. Il entraîne des chevaliers, des archers, une petite marine. La marine, on s'en fiche, on s'y attaquera pas. Enfin, ce sera pas notre objectif. Nous, on s'attaquera vraiment, nous, aux unités terrestres. Donc on s'emparera de Milan. Vous verrez comment on fait. Padoue est aussi au nord, il peut attaquer rapidement. Padoue est célèbre pour ses archers et ses armes de siège. Padoue est la ville qui peut tomber dès que vos premiers assauts. Donc ça sera une ville vraiment qu'on va focus en début de partie. Dans l'encage du nord se trouve Aquilée, qui dispose initialement de quelques troupes, de quelques soldats. Peut maintenant utiliser des chevaliers, lanciers et scorpions. Donc en gros ils auront au fil du temps des unités de chevaliers, de lanciers et de scorpions. Au cours de notre progression en Italie, nous serons finalement en contact avec Vérone, dont les chevaliers, archers et lanceurs de hache représentent l'ultime défense de l'Empire romain. Vérone est la menace la plus dangereuse. Qu'on aura affronté. Enfin, Rome elle-même a perdu part de ses troupes contre les Huns en Gaule, qu'un ont battu les autres villes pour marcher sur Rome. Juste avant de commencer, je vais montrer ceci. Nous avons en face des Celtes, des Teutons, des Francs, des Britanniques. Ça veut dire qu'ils ont le bonus, les ateliers de siège travaillent 20% plus vite, le bonus de 20% plus vite et quand ils tirent à l'arc, Teutons, le bonus des intérêts plus résistants en conversion, et Francs. Donc cavalerie a 2 plus 2 en ligne de vue. Nous avons un allié lié byzantin, ironiquement, et on pourra guérir plus vite nos troupes avec les moines. Je préfère montrer ça tout de suite, c'est pour que vous compreniez que l'ennemi va pouvoir produire très rapidement beaucoup de troupes. Donc j'espère que vous êtes prêts à la guerre. J'avais oublié qu'ils avaient ça. J'avais oublié. Je sais pourquoi en fait je rasais le vieux tout de suite, c'est à cause des archers. Les grands archers peuvent tirer plus loin que les châteaux. J'ai dit beaucoup de choses là, avant de lancer. Là, j'ai commencé la partie, ça va aller très vite. Enfin, ça va aller très vite. Je vais vraiment me concentrer, il se peut que je parle pas beaucoup, donc je préférerais tout mettre au point avant. Donc on va tout de suite commencer avec le siège. Padoue, enfin, excusez-moi, c'est Vérone la dernière ville qu'on va siéger. Padoue est juste devant nous. De mémoire, il y a une partie de ses troupes qui peuvent se replier sur Vérone. Donc les 7 murs de Padoue sont devant nous. Bon, je vous laisse imaginer bien ce que je vais démolir en premier. Et ils vont tous tenter une victoire aux merveilles. Nous, on peut pas faire de merveilles. C'est tout à fait normal. Je vais raser la porte nord. C'est fait. Ah non, j'ai replié mes...
Voilà. Là, sa petite technique que j'ai trouvée, c'est des Tarkans standards par contre, c'est pas des élites, donc faites attention. Ne pas avoir peur d'envoyer Attila, hein, je préfère vous le dire. Meurtrière a déjà été recherché parce que nous commençons à l'âge impérial. Comme vous voyez, il y a déjà beaucoup de pertes adverses, alors qu'on commence à peine le siège de Padoue. Mais bon, c'est vraiment important de lancer assez vite l'assaut dessus. Bon, Attila est quand même l'une de vos unités maîtresses dans ce siège, on va pas se mentir. Voilà. Donc là, nous avons déjà rasé une grande partie de leur armée. Donc, protéger Attila quand même, éviter quand même d'être trop téméraire. Alors j'adore les Britanniques comme faction, enfin parce qu'ils ont pas, parce que leurs archers sont totalement fumés. Voilà. Ah, donc là ici, je crois pas qu'ils aient du village dehors. Donc là nous avons déjà éliminé, on va dire. C'est important de lancer l'attaque assez tôt, ça va vous permettre d'éliminer en fait. Comment ça s'appelle l'armée de défense qui est à l'intérieur de leurs enceintes. Parce que vraiment, notre seul objectif, nous, c'est ça. C'est on démolit assez vite tout ce qu'il y a dedans. Et voilà, bon. Ils font aussi que des fantassins à épée, donc ça simplifie grandement la bataille. Aki commence une merveille, c'est normal. Bah, mais là, de toute façon, vous découvrez le petit problème qu'on a en affrontant dans cette partie de cette mission, enfin dans cette mission. Vous risquez de vous attaquer assez facilement un peu à tout le monde dès le début. Donc il y a énormément de sangliers au début, donc. Notre nourriture sera pendant un temps que de sanglier. Je préfère vous le dire. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il me faut plus de Tarkan pour continuer. Et on voit que j'utilise beaucoup Attila, hein, par contre. Alors, je sais que là, sur mes contreforts, en haut à droite de mémoire, il y a ça à pierre, et au sud, c'est. Ségor. Par contre, faut monter tout en haut, voilà. Je me souviens bien. De toute façon, tous les ennemis feront des merveilles pour tenter de faire une victoire à coup de merveille. Hein. Je sais pas, j'ai un villageois inoccupé. En fait, ce qui me surprend, c'est que j'ai un villageois inoccupé. Je savais pas que c'était. Bon, en tout cas, ça se passe plutôt bien. C'est surtout, il est où le villageois inoccupé là? Ça m'arrangerait de savoir. T'es là, d'accord. Bon, vous voyez la pierre, on a des gisements. Je vais pas dire phénoménaux, mais c'est quand même un peu le cas, quoi. J'aurais pu faire cette recherche dès le début, par contre, d'élite. Par contre, il y a déjà beaucoup eu d'erreurs de micro de mon côté, hein, si vous avez fait attention, notamment au niveau de la gestion de mon économie. J'étais tellement concentré sur assaut que j'ai oublié totalement mon économie pendant un petit moment. Vous allez me dire que c'est un détail, mais c'est un détail qui a son importance quand même. Voilà, les Tarkans d'élite ont été recherchés, c'est pas trop tôt, vous allez me dire. D'accord.
vais chercher justement le château. Alors, on va faire d'autres Tarkans d'élite. Alors pourquoi je fais autant de... Ah, ça serait bien qu'il y ait une touche pour annuler. Je suis bête, je crois qu'il y a une touche. S, voilà. S, stop. Ouais, bah oui, logique. Donc là. Donc niveau nourriture, on a beaucoup de sangliers à chasser. Donc, on ne serait pas surpris au début de partie si on devait faire que du sanglier. Donc voilà. Alors, en tout cas, la technique, quand vous prenez une ville, que vous voulez construire dedans, c'est que vous détruisez que les portes et vous les remplacez par vos portes. Vous gardez les murs fortifiés, parce que si vous êtes contre un vrai joueur, il va raser. Non, s'il est intelligent, c'est ses murs, il va les raser. Une IA n'aura jamais l'idée de détruire un de ses bâtiments de lui-même, si le bâtiment a été construit. Et de mémoire, pas W, c'est pour Wonderful, ça veut dire merveille, pour ceux qui se posent la question. Tu peux pourchasser si t'as envie. Il faut savoir que Padoue a un second forum, un endroit que vous devinez, je pense déjà, vers Vérone. Et c'est notamment l'un des problèmes de quand vous affrontez Padoue. C'est ce. De toute façon, c'est le problème quand vous affrontez Padoue, c'est ce forum qu'ils ont vers Vérone. Et encore une fois, Tigalmin, ben voilà, c'est une unité héroïque qui a déjà dégommé un certain nombre d'ennemis. Est-ce que je peux les attaquer? Je pense que oui, j'ai quand même une bonne petite armée. Ben, Attila risque d'avoir beaucoup de dégâts si j'ai pas. Je trouve pas si puissante que ça leur armée, si je peux me permettre. D'accord, j'ai une deuxième armée qui vient de renforcer la première. Mais bon, ça c'est normal. Les armées en renfort pour en soutenir une. C'est les ennemis qui attaquent en même temps. Si, si, si. Nous, de toute façon, notre objectif, c'est pas bien compliqué, c'est de démolir. Padoue. Et de toute façon, moi, quand j'ai un objectif en tête, je focus mon objectif. C'est bête, mais j'ai des pertes. Voilà. Heureusement que j'ai construit d'autres Tarkans. Voilà. Mais voilà, c'est. C'est mon objectif, quoi. Le but, c'est de démolir Padoue. C'est pas de s'amuser à regarder ce que fait mon adversaire, non, c'est de démolir Padoue. Pour être tranquille après, voilà. Là-haut, ben, il y a énormément de pierres, donc ça va nous être très utile par la suite. À moins d'être dû construire un nouveau forum, les Padoue. S'ils n'ont toujours pas construit un nouveau forum, c'est impressionnant. Normalement, à ce moment-là, ils ont déjà dû construire un nouveau forum. On est où? Ouais, il est à peine construit. On
On va quand même ici construire un château. Alors ça peut surprendre quand même que j'envoie Attila quand même. Faut protéger Attila, pourtant moi il est en première ligne quand même. Hein. Mais bon, c'est. À force vous commencez à me connaître, hein. Je suis toujours quelqu'un qui est assez agressif avec ses troupes. Là par contre c'est une certitude qu'ils ont un forum au sud là. Ils ont remis un forum sur Padoue, c'est. À moins que vous soyez vraiment bête pour pas comprendre ça, là je peux pas vous expliquer plus. Ils ont des dizaines d'unités, enfin on voit des. Pas des dizaines, mais on voit les villageois venir par le sud. De clairement dire qu'ils ont un forum au sud, je suis désolé. Quoi? D'accord, mon forum a disparu et personne ne m'a rien dit. Bougez du chantier alors! C'est obstrué. Oh, mais vous êtes pas intelligent quand même. Chantier obstrué, vous arrêtez de vous foutre. Chantier obstrué. Elles se sont bien moquées de moi, hein. Enfin bon. Je vais perdre un château, mais c'est pas grave. J'ai énormément de pierres, donc faut pas oublier ça. Non, mais. Vous allez pas me faire. Vous allez pas me faire au coup là, comme tout le monde au bois, quand même, là. Putain, mais vous faites chier, sincèrement, les villageois. Sincèrement ouf. Donc voilà. Un peu maintenant. Bon là je peux les perdre, je m'en contrefous totalement. Dans mon matériel. J'ai déjà fait plus que nécessaire. Padoue est dans un état lamentable. Qu'on se mette d'accord. Aquilé, ben j'ai commencé déjà son offensive. Économiquement, il me faut encore des villageois pour aller chercher d'autres sources. Et au niveau ben, de la pierre, ben, qu'est-ce que je dis? Vous avez vu le stock de pierre que j'ai? Je sais pas. Pour m'en priver, quoi. Donc, Aquilée, ça sera une ville assez simple à prendre, en tout cas. Beaucoup plus simple, en tout cas, que les autres. Padoue, en fait. Faut savoir que Padoue, c'est l'ironie de la chose. C'est une ville que vous attaquez tout de suite dès le début, que vous allez pouvoir apprendre facilement. Vous n'avez pas à tuer. Aquilée, c'est une ville que vous pourrez attaquer assez facilement et que vous pourrez détruire l'adversaire dedans. C'est la différence entre les deux villes. Milan sera une ville fortifiée, donc ça demandera un petit peu de temps pour la démolir. Là, par contre, on va aller au sud. Faire ma mine d'or, parce que pour l'instant j'ai totalement zappé de faire de l'or. Normalement on aurait déjà dû être au plateau d'or, non? Comme par hasard, hein. Comme par hasard, ils peuvent foutre le trébuchet dans la ville sans que je puisse l'atteindre. Enfin, ils peuvent tirer du trébuchet depuis la ville. D'accord, j'ai perdu deux villageois encore. Génial. Comme si j'en perdais déjà pas assez. C'est une mission qui est comme ça après, donc y a pas à être étonné. Tous ceux avons réparé ça, maintenant tout le reste ça va alors. Voilà, 6 alors en plus. Aquilée fait des chevaliers, d'accord, c'est intéressant aussi. Hein. J'ai encore des villageois qui ont disparu.
bûcheron, manque 4. Mineur de pierre, j'en ai combien? 4. Ah, j'ai une tête faite cuite. J'en ai peut-être fait cuite. Je vais rien dire, j'ai une tête faite cuite. 3, 6. Il en manque 4, voilà. Les 4 bûcherons sont ici. Faut que je lance quand même la bouffe parce que ça, j'aimerais le faire. Voilà. Faut que je lance la nourriture, sinon ça va pas le faire. Enfin, la nourriture en ferme, je précise. Comme par hasard. Ah, mais, ouais, mes villageois, comme par hasard, ils sortent au même moment qu'ils arrivent. Je suis habitué maintenant. Je vais arrêter de, d'aller chercher les gibiers. Ça prend trop de temps, ça. J'ai l'impression que l'IA m'enfume derrière en plus. Enfin bon. On a déjà vidé une bonne... La pierre, vous avez vraiment des gisements... T'as parlé de même, quoi, les gisements qu'on a. Mineur. Donc... Voilà, on va mettre quelques moulins pour les fermes qui auront en plus. Peut-être en faire 20. Puis ma pop. Quoique c'est que 152 pop que j'ai. Je suis quand même tenté de... Ouais, si, je vais en faire 20. Par contre, le bois sera un problème. Enfin... Ce sera partiellement un problème, plutôt, devrais-je dire. Il y a beaucoup de gisements de bois, etc. Mais le bois facilement d'accès, peu dangereux à exploiter, il n'y en a pas beaucoup en fait, globalement. Donc ici, l'avantage, c'est qu'on a énormément d'or. Enfin, de toute façon, les ressources, vous avez deux contreforts qui vous serviront qu'à en tout les ressources de mine. Ah, c'est bon, j'ai même pas besoin d'en faire, je suis en train de... Non, mais c'est pas commencé les bugs en plus avec les fermes là. Oh, mais non. Ça, par contre, c'est le truc qui m'énerve le plus. C'est quand vous venez tout juste d'acheter un. Des troupes. Enfin, d'acheter. Enfin, tu conserves votre ferme plutôt, devrais-je dire. Ça serait plutôt le bon terme. Et hop, déjà, vous avez déjà un... Votre ferme est déjà, on vous dit, ah bah elle est vide. Ah, génial. Apparemment, je suis obligé d'aller jusqu'à Milan pour faire comprendre que j'en ai marre d'eux. Donc ici, on va construire. Ça. Non mais voilà, mais faut vraiment qu'un jour on m'explique c'est quoi ces bugs de ferme quand même. Ouais, là je viens de gaspiller déjà, je viens de se gaspiller déjà 122 de bois pour une ferme. Est-ce que c'est le villageois qui bug? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas.
Ok, en soi, ça me coûte toujours un bras en ressources, pour rien. Ça va qu'on est en solo, que solo, on peut... Des problèmes comme ça, c'est gérable, mais... Et encore. C'est gérable, c'est gérable. Suis quand même gentil, c'est pas toujours gérable. Hein. Ça va que c'est qu'une ferme, mais je vous laisse imaginer si vous avez 15 fermes qui ont le même souci. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Sans... Je fais rarement des parties multi, mais bon. Vous faites une partie multi, que vous avez 15 fermes, que vous avez le souci, vous n'avez pas la même réaction du tout. One Murphy, c'est normal, c'est normal. Juste à One Murphy là, qui s'applique, c'est rien d'autre, c'est à One Murphy, c'est normal. Voilà. Bon, deux villageois qui vont venir ici, qui vont me construire ça. Enfin, tout de construire un mur comme ça ira plus vite. On va faire tactique part, ça en plus on... Comme par hasard. Il vise ma cavalerie, c'est mon villageois qui meurt. Comment ne pas être sacré après ça? Voilà, Chibi maintenant. Voilà. Bon, de toute façon, ils attaquent un peu tous. Mais c'est prioritaire, de toute façon, maintenant, ça... bah, c'est prioritaire, c'est à qui, maintenant qu'ils ont voulu construire une merveille. De toute façon, j'ai pas trop le choix, c'est... Voilà, ici, je vais pouvoir faire ça, qui va me donner un bon petit boost économique. Je vais séparer juste mes bûcherons en deux groupes. J'aime bien d'avoir que des... Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Voilà. Ça. Ce qui me sauve, c'est que pour l'instant, les chevaliers francs ne sont pas des cavaliers ou autres, ne sont pas améliorés, donc c'est vraiment que les troupes de base. Chimie finie. Voilà. Non, normalement, tu peux passer par le mur là, on soit d'accord. Ici, je vais faire un monastère. Faut que je fasse ça. Mais non, j'ai pas assez d'or. Pénurie d'or. Parce que sinon, lui va. Il va avoir un... en, 20... en 200 ans, il a fini. Là, faut. Faut que je commence à accélérer le mouvement, quoi. Quand même un peu trop tardé quoi, mais bon. Voilà. On sort une porte là. Deux trébuchets. Rien de trébucher la vache. Voilà, là on... Il faut les archers de cavalerie pour de toute façon, ça c'est non discutable. Hein.
plus, c'est bon. Donc niveau recherche, j'ai tout fait ce qui est intéressant. Là, il me faut... Dehors encore. Dehors et du bois. Enfin, et dehors et de la... Au lieu de passer par là, que c'était plus rapide, je vous fais retour par là-haut. Bon, par contre, le bon point avec Padou, c'est qu'ils viennent toujours chercher leur bois ici. C'est pas ce que je voulais. J'ai mal regardé. Je crois que ça faisait mon mur droit, mais... Voilà, moi, c'était ça que je voulais comme mur. Voilà. Pas d'où, tu vas être content, voilà, je viens de te massacrer une partie des villageois. Ça a franchement bien mimé maintenant. De toute façon maintenant, je vais faire quelques unités de Tarkan d'élite. En plus, parce que sinon ça va pas le faire. On est en train de voir ce qui se passe quand. Ah, 350 ans.